La radiodiffusion française présente... Silence, on commence. Nous avons laissé notre désenglandé sur le pas de son deux pièces du boulevard Raspail, furieux d'avoir été trahi par une femme dont la vertu d'airain a été mise à mal par l'appât du gain et bien décidé à en découdre avec le faquin qui l'a cocufié. Un homme, blessé dans sa dignité, plus encore peut-être que dans sa chair, s'apprête à franchir la distance qui le sépare du faubourg Saint-Germain. Sans doute à l'intrépide voyageur, familier des expéditions les plus périlleuses, cette distance paraît-elle plus impressionnante qu'un aller-retour en pirogue à Kinshasa. Sans doute à l'infrangible pourfendeur des terrae incognitae, les pièges du faubourg Saint-Germain paraissent-ils plus vicieux que les reptiles sournois de la forêt congolaise. Tous les ingrédients de la tragédie sont réunis pour faire de cet affrontement un bain de sang et cependant... Qu'aperçois-je là, au bout du troisième et dernier acte? Une lueur vacillante brille faiblement. Serait-ce le regard de la défunte tante Victoire veillant sur le bonheur de nos héros? Ciel, le mari. Monsieur, j'ai de mots à vous dire. Monsieur, je suis gentilhomme et me tiens à votre disposition. C'est votre droit, faites donc. Mais auparavant, je vais vous révéler une chose qui rabaissera votre orgueil. Ma femme s'est donnée à vous par intérêt pour toucher un héritage. Voilà, vous savez tout. D'ailleurs, plus je vous regarde et plus je me demande comment vous fûtes capable de me faire cocu. Brisons-la, je ne vous permets pas de mettre en doute ma virilité. Elle m'a coûté assez cher pour que j'en sois fier. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai payé au prix fort une opération exactement contraire à celle que vous firent subir les sages. Comment savez-vous que je... Quoi? Vous agrefez des glandes de sage? Un sage extrêmement poilu, qu'en vous retournant, vous pouvez voir empaillé sur ce socle. Siège, qu'aperçois-je? C'est lui, c'est bien lui, je le reconnais. Est-ce possible? De glande. Mais alors, j'y songe. Si vous avez ces glandes, ce sont les miennes. Je ne suis plus cocu. Peut-être, et l'enfant peut-être, est de moi. Peut-être, peut-être. Il n'y a pas de peut-être.
Entendez-moi mes glandes, monsieur. M'entendez-vous? Je ne sortirai pas d'ici sans mes glandes. Inutile de crier, monsieur. Je suis honnête homme. Vous les recevrez sous huitaine.